Hello tout le monde, je suis Irmine Bamweni, votre présentatrice pour Street Style, cette émission même qui décortique les outfits des passionnés de mode dans les rues de Dakar. On se retrouve dans un instant avec notre premier candidat du jour. On est chaud avec notre nouveau candidat. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, alhamdoulilah. Est-ce que vous pouvez vous présenter face à la caméra? Bon, je me présente, mon nom est Céline Dambok. D'accord. Je suis mannequin. Il y a une chose qui m'a beaucoup interprétée quand je vous ai vue, c'est votre look qui est assez travaillé et très particulier. Comment est-ce que vous définissez votre look? Bon, je le définissais de façon estrée, okay. De façon très simple. Est-ce que vous pouvez décortiquer ce look pour nous? Voilà, c'est simple. J'ai mis un chapeau noir blanc, comme l'ont fait les Anglais. Je l'ai imaginé le noir blanc sur le Karl Lagerfeld de Met Gala 2023. Okay. C'est là où ça a venu, le noir blanc. Je l'ai acheté, j'ai mis un chien en argent. Oui, et un tachet et des chaussures en Nike aussi. C'est tout simplement ça. Mais je vois qu'il y a beaucoup de poches, oui. Sur le haut, également sur le bas. Oui. Et puis les couleurs sont très différentes. Enfin, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ça? Voilà, c'est moi qui ai inspiré tout ça. Ok. En imaginant, s'il y a beaucoup de trucs qui vont faire péter les câbles, okay. Je le ferai. Voilà, c'est moi j'ai l'habitude de faire des choses qui sont extraordinaires sur mes habits. Qu'est-ce que vous pensez du look de la star congolaise de la rumba? Bon, je le trouve un peu cool, mais il y en a des choses qu'il fallait pas du tout. Franchement. Parce que les chaussures en talons, ça dégoûte. Voilà. Moi je trouve que c'était vraiment c'était pas nécessaire. Franchement, oui. C'était pas nécessaire, oui. J'aime avec, pas. Avec son pantalon court. Si son pantalon était un peu plus long, ça a voilà, été plus joli. Ça fait un peu plus décalé, oui. Tout ça. Ça va donner un goût qu'on peut télécharger, mais avec ça. Et en plus, la chemise là, je trouve que ça lui sert trop, genre. Ça sert, oui. C'est vraiment sert. Pas pour lui. Avec son gros ventre là, c'est pas du tout. Moi non plus, je n'aime pas, je déteste. Moi je le trouve pas. Non. Oui. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, merci d'avoir participé. Merci et je vous souhaite bonne chance et bonne continuation dans beaucoup, vos activités. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci au revoir. Africa, Fashion Mode in Africa. Je vous salue et je vous remercie pour tout ça. Merci à vous. On poursuit dans Street Style. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bien, ça va. Ça va, pouvez-vous vous présenter face à la caméra? Ablaï Mamboy, je suis un mannequin, un nouveau mannequin. D'accord. Ça fait partie de l'un de mes premiers défilés de mode. Aujourd'hui. Pouvez-vous décortiquer votre look? Des fois je choisis la couleur beige. C'est mon couleur préférée en fait. Ok. Et ça vous va très oui, bien. Ça me fait ressortir la couleur de votre oui, peau. Oui, en fait, oui, oui. Les lunettes, moi, je suis un opticien. Okay. Déjà, sur le pantalon, c'est un peu marron. J'aime trop le couleur marron. L'assemblage des couleurs, moi je trouve que c'est parfait, c'est très harmonieux, ça fait vraiment ressortir le côté fashion. Est-ce que vous pensez que vous pouvez porter ce look-là? Mais il y a beaucoup de choses que je vais souligner. Ok. Oui, les talons. Les talons. Oui. Franchement, c'est ce qui attire. À premier coup d'œil, ce sont les talons, franchement. Les talons, oui. Ça attire vraiment l'attention. Oui, en tout cas. Oui, les talons. Et aussi la veste. Elle est trop serrée. Oui, elle est trop serrée. Elle est trop serrée. On sent qu'on a l'impression qu'il y a des boutons. Ils demandent au secours, libérez-moi. Ça aussi. Mais après ça, c'est cool. Hein. C'est nickel, oui. Merci beaucoup d'avoir participé à Street Style. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Et je vous souhaite bonne chance pour votre défilé d'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous aussi. Je suis vraiment content. C'est l'initiation que je veux faire pour moi. Je vous remercie aussi. Je vous souhaite. Ok, c'était génial. On poursuit avec notre nouveau candidat. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va. Pouvez-vous vous présenter face à la caméra? Ah, moi, je me nomme Abdelaziz Ndour. Oui. J'ai 22 ans. D'accord. Je suis mannequin modèle. Pouvez-vous décortiquer votre look s'il vous plaît? Pour le look, oui. Je me suis habillé en chemise longue, mais je préfère plier les manches. Moi c'est court mais bon. Et je me suis mis une t-shirt blanc et une pantalon kaki beige. J'ai le même pantalon. Et des baskets. Pour montrer le côté vraiment strict, strict vraiment tout la ça. Rue, tout ça. Bon, je me suis mis en chemise blanc et je l'ai attaché
Franchement, ça fait vraiment, vraiment, vraiment street. Moi, j'adore. Je pense qu'un jour, je réussirai ce look. Qu'est-ce que ce style-là vous inspire? Bon, ça m'inspire. Il a osé de porter ces genres de soucis. Franchement, moi, ces talents, non. Non. Mais si, parce que... Ah, donc vous porterez ces talents-là, hein? Pas carrément. Non. Pas carrément. Je ne porterai pas pour sortir, mais... Pour défiler, par exemple. Non, pas pour défiler, mais pour faire des shootings comme ça. D'accord. Pour moi, c'est ici... C'est le veste. C'est quoi au niveau de la veste qui vous pose problème? Qui me pose problème, mais à part ça, bon, c'est clean. C'est clean. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci. Ça a été un plaisir de vous interviewer. On continue dans Sweet Style. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, alhamdoulilah. Et vous? Moi, ça va, par la grâce de Dieu, merci. Ok, super. Est-ce que vous pouvez vous présenter face à la caméra? Bon, en fait, ça va bien. Ça va, Fashion Africa. Moi, c'est DG, hein, mannequin de la mode, hein, le super mannequin, l'ambassadeur d'Éthiopie. Est-ce que vous pouvez décortiquer le look un peu plus? Vous donner plus d'informations sur ce look? Bon, en fait, bon, ça c'est une tenue classique, quoi. Okay. Bon, si tu le portes, tu seras atypique, quoi. Les gens vont te respecter, quoi. Okay. Ça vient de l'Italie. Et aussi ça vient aussi de l'Italie. Ok, c'est donc, un pantalon, un tailleur, c'est un pantalon, oui. Une belle ceinture, une chemise rose. Rose, oui. Qui vous va d'ailleurs très bien. Et en plus, c'est été, quoi. Ok, c'est vraiment, oui, c'est sûr. C'est vraiment une couleur bien chaude qui rappelle l'été, les bonnes couleurs, les couleurs vives. Ce look-là, vous pensez qu'il est imposant? Bon, je trouve ça nice. Ok. Vraiment, il a porté une belle tenue, hein, avec des chaussures... À talons. Talons. Vous pouvez porter des talons? Non, mais c'est style. En plus, c'est le shooting qui demande ça, quoi. D'accord. Moi, par contre, j'aime pas. Pourquoi tu aimes pas? Je n'aime pas à cause de la veste qui le serre trop. Le fait qu'il mette des talons, mm-hmm. je n'aime pas. Mm-hmm. Les lunettes qui cachent mm-hmm. son visage, le bonnet, tout ça. Moi, bon. Et puis, il y a trop d'accessoires qu'il cache avec son ventre, là. Non, c'est la mode, quoi. Moi, je valide, hein. D'accord. Ah oui. Sinon, c'était génial. Merci beaucoup d'avoir participé à Swiss Style. Ça a été un plaisir de vous interviewer. Vous êtes vraiment quelqu'un de formidable, en tout cas. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Swiss Style avec de nouveaux candidats tout autant exceptionnels que ceux que nous avons eus aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous partout où vous êtes. On se retrouve très bientôt.